Re-bonjour, je vois qu'il y a déjà une trentaine qui s'installe. Sinon, on va démarrer ce dernier cours de la journée, intitulé Le choléra. Et bien sûr, comme tout à l'heure, les questions, vous notez dans le chat les questions possibles. Donc, on commence. Maintenant, on va voir un deuxième chapitre après avoir vu les ulcères par rapport aux hépatites. Maintenant, c'est le chapitre de diarrhée. Et dans ce chapitre, il y a l'exemple par excellence, qui est le choléra, qui est l'une des formes étiologiques de diarrhée, qui est la forme toxique, puisque à côté de la forme toxique que vous avez certainement vu avec le docteur Touareg, les formes entéro-invasives, dont l'exemple type était l'amibiase. Maintenant, on va voir l'exemple type des formes toxiques, qui est le choléra. Il n'y a pas uniquement le choléra, il y a beaucoup d'autres étiologies qui entraînent une diarrhée de type toxique. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi un signe. Les 31 personnes qui sont... Ah, d'accord, il y a une qui a répondu, donc c'est tant mieux. Donc, on commence tout d'abord avec l'introduction. En disant que le choléra est défini comme étant une toxi-infection digestive, c'est une comme son nom l'indique, vous avez vu que le terme est composé de trois termes pratiquement. Toxi, c'est en rapport avec la toxine. Le choléra fait partie des gènes qui produisent une toxine et ça joue un rôle très important dans la physiopathologie du choléra. C'est une infection parce que c'est un BGN qu'on va voir tout à l'heure, on va un petit peu parler dans la bactériologie. Et elle est un point de départ digestif. Et donc, vous allez voir ça en détail dans la physiopathologie. L'agent pathogène, on l'appelle le vibrion cholérique. Parmi les continents les plus touchés, c'est le continent surtout asiatique et en particulier le sous-continent indien qui constitue ce qu'on appelle le berceau antique. Antique, c'est-à-dire, ça rappelle le terme antiquité, c'est-à-dire, c'est une pathologie qui a laissé des traces dans l'histoire de l'humanité. C'est une maladie à déclaration obligatoire, très contagieuse, à caractère épidémique. À caractère épidémique en rouge, pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est des explosions épidémiques qui sont d'une importance capitale. Et Annaba a fait les frais à un certain moment, dans les années 80. Posez la question à vos parents, à vos grands-parents, ceux qui sont d'origine de Annaba. Vous allez voir que Annaba a connu justement une histoire du choléra dans les années 80, plus exactement 80. C'est une maladie à transmission hydrique liée à l'eau et liée surtout au péril fécal. Elle réalise un tableau d'urgence médicale. Pourquoi? Parce que dans certaines formes, surtout les formes les plus typiques du choléra, ça évolue vers la déshydratation aiguë grave. Sur le plan préventif, puisqu'on parle de transmission liée au péril fécal, donc la prévention joue un rôle important dans l'éradication de cette pathologie. Et d'ailleurs, ça constitue le moyen le plus efficace pour ne pas parler du choléra. Et il repose surtout l'assainissement et l'éducation sanitaire. Sur l'historique. L'historique, je disais tout à l'heure que la base antique qui était le sous-continent indien, et donc le choléra a été connu il faut revenir en arrière vers pratiquement le 17e ou 16e siècle et entendre parler des histoires de diarrhée que c'était le choléra. Et plus exactement dans le sous-continent indien, dans un delta qu'on appelle le delta de Gange, et plus exactement dans un pays qu'on appelle le Bangladesh, je ne sais pas si vous n'avez pas entendu parler, le Bangladesh qui constitue le berceau pratiquement du choléra. Et le choléra a évolué par épidémie saisonnière jusqu'à s'étendre au territoire limitrophe. Et d'ailleurs, depuis pratiquement le début du 19e siècle, c'est-à-dire 1817, l'humanité a connu sept pandémies. Quand on dit pandémie, il faut faire des petits rappels épidémiologiques. Pandémie, c'est-à-dire c'est une infection qui a touché pratiquement tout le globe terrestre. C'est ça, pandémie. Contrairement à ce qu'on appelle l'endémie qui est pratiquement non limitée dans le temps, mais limitée à un territoire bien particulier dans le globe terrestre, ou contrairement à l'épidémie, qui est limitée dans le temps et limitée également dans l'espace. Par contre, la pandémie, elle est limitée dans le temps, mais pas dans l'espace. Et donc, il y a eu sept pandémies. La dernière, la septième pandémie qui a commencé pratiquement en 1961, était liée à un sérotype qu'on appelle le sérotype L-Torre.
contrairement aux sérotypes classiques qu'on verra, qu'on parlera tout à l'heure dans le rappel bactériologique. Et bien sûr, cette septième pandémie a été caractérisée surtout par la teinte de l'Afrique, et plus exactement l'Algérie. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la teinte de Annaba en 1986. Et dans la littérature, on trouve qu'il y a une possibilité d'une huitième pandémie. Celle-ci se voit surtout dans le continent toujours asiatique, dans l'Inde, en 1992. Apparemment, elle est liée à un autre sérogroupe, qui n'est pas le sérogroupe O1, mais le O139. Ne vous inquiétez pas, on va faire rapidement un rappel sur cette histoire de sérogroupe. Voilà une carte géographique qui montre en rouge, ce que vous voyez en rouge, c'est les choléras liées aux vidéos colériques. Vous constatez que l'Algérie fait partie des pays qui ont été touchés par ce type de virulent colérique. Il y a aussi le virulent colérique O139 dont on parlait tout à l'heure. Regardez dans le continent sous-indien, là où il y a l'Inde, la Hongrie. Ça, c'est des pays qui ont été touchés par le O139. Maintenant, sur le plan épidémiologique. Le plan épidémiologique, d'abord, l'agent causal. L'agent causal responsable de ce choléra, c'est un BGN, qui est un bâtonnet très court, gramme négatif. Il est incurvé ou droit, très mobile. Vous voyez qu'on insiste un peu sur les détails. C'est-à-dire droit, curvé, très mobile. À votre avis, pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir, quand on a une choléra, c'est-à-dire une suspicion de choléra, il est très important de préciser aux microbiologistes, au laboratoire, ces détails. Excusez-moi, de préciser aux microbiologistes, il y a suspicion de choléra. Et le microbiologiste, justement, va rechercher ces caractéristiques, c'est-à-dire incurvé, droit ou très mobile. Et parmi les autres caractéristiques, il est très sensible à la dessiccation, c'est-à-dire l'exposition à la lumière, l'exposition au soleil et l'acidité. Et il est résistant au pH alcalin et les concentrations salines élevées. Tout simplement, en connaissant ces caractéristiques, on peut faire un milieu de culture qui est le milieu de l'eau peptonée alcalin et salée à 3%, qui permettrait bien sûr de cultiver rapidement s'il y a bien sûr un vibrio colérique dans le prélèvement qu'on a acheminé au laboratoire. Cet agent, il est constitué de 150 sérogroupes. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette histoire de l'antigène O, qu'on appelle l'antigène O somatique, que vous avez vu certainement avec le professeur Prima pour le cours de la typhoïde. C'est la même chose, c'est des BGN, donc ils ont des antigènes O somatiques et des antigènes H flagellaires. Le choléra, le vibrio colérique n'échappe pas à cette règle. Et on a donc l'antigène O somatique qui permet de distinguer 155 sérogroupes tracés, sérogroupe 1, 2, 3, jusqu'à 155. Et seul le O1, surtout dans les sept premières pandémies, et également le O139 dans la dernière pandémie, la huitième, surtout qui existe dans la littérature, qui sont responsables de choléra. Les autres sérogroupes sont responsables de diarrhée banale. Le O1, il est subdivisé en deux biotypes. Il y a le biotype classique, qui a été responsable des six premières pandémies, rappelez-vous de l'histoire, et le LTOR, qui a été responsable de la septième pandémie. Le O139, apparemment, il est incriminé dans une possible huitième pandémie qui n'a pas vraiment fait ses preuves. Le réservoir, il est strictement humain, il peut s'agir de malades qu'on va laisser aux porteurs sains, surtout ça, attention, attention sur le plan épidémiologique. La durée de l'infection colérique, c'est-à-dire le malade est contaminant, généralement 7 jours, plus ou moins 2 ou 3 jours. L'élimination de ce germe se fait surtout essentiellement par les serres. Intérêt de faire des coproculture en premier lieu, surtout devant les premiers cas de suspicion. Attention, les sueurs peuvent aussi contenir ce vibrion et même les cadavres de colérique. Attention, la culture algérienne, c'est la culture musulmane, on fait des toilettes mortuaires, donc attention pour ceux qui pratiquent ces toilettes mortuaires pour les cadavres. Le milieu extérieur aussi est souillé, surtout quand il s'agit de l'eau qui sera responsable d'explosions épidémiques, mais aussi les aliments, les objets divers qui peuvent être l'objet de contamination. Et le milieu aquatique, c'est-à-dire les grands lacs ou même la mer, constitue généralement le réservoir permanent de ce germe. La transmission de ce germe peut être indirecte ou directe, comme toutes la plupart des maladies infectieuses, mais la plus fréquente, c'est le mode indirect, par contamination de l'eau et des aliments. Donc, c'est une transmission qu'on appelle la transmission liée au péril oro-fécal. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait de l'hépatite A et de l'hépatite E. La transmission peut être directe aussi par contact interhumain. On l'appelle la transmission manuportée orale et aussi par la sueur, mais elle est moins fréquente que la première. Et l'homme, donc, constitue en même temps un milieu de culture et un milieu de transport. Et donc,
il va être responsable d'une propagation rapide de la maladie, surtout avec le développement des moyens de transport, en particulier l'avion. Le variant Eltor, qui a été responsable de la septième pandémie, comme caractéristique, il a une survie plus grande, une plus grande résistance dans l'environnement par rapport aux variants classiques. Et aussi, comme deuxième caractéristique, il a tendance à donner beaucoup plus de formes légères et asymptomatiques. On a terminé avec l'épidémiologie, on passe à la physiopathie, qui constitue l'un des chapitres essentiels de cette pathologie, pour comprendre comment se passe le choléra. D'abord, je disais, c'est une transmission, elle est, rappelez-vous, premier terme dans l'introduction, on a dit tant que c'est infection digestive, c'est-à-dire transmission digestive, et ça commence par l'absorption au niveau de la bouche du virion cholérique, soit de l'eau ou des aliments. Et il faut, par contre, une dose infectante, vous remarquez qu'elle est assez importante, relativement importante, 10 puissance 8 jusqu'à 10 puissance 11. Pourquoi? Parce que tout simplement, rappelez-vous des caractéristiques du virion cholérique, il est très sensible à l'acidité. Et donc, il y a une première barrière gastrique qui est pleine d'acide. Au niveau de l'estomac, vous savez, tout le monde sait qu'il y a pas mal d'acidité qui constitue un des moyens pour digérer les aliments. Et donc, cette acidité constituera un tampon pour les vibrions colériques. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une dose infectante assez importante. Arrivé au niveau de l'intestin, il va y avoir une fixation au niveau de la partie proximale de l'intestin grêle. Et l'infection reste intraluminale, c'est-à-dire il n'y aura aucune destruction anatomique de la paroi intestinale, contrairement à ce que vous avez vu dans la physiopathe dont vous a parlé certainement le docteur Touareg, où il y a une destruction de la barrière anatomique, et donc c'est pour ça qu'il y a la fameuse diarrhée gloéro-sanglante qu'on n'observe pas dans le choléra. Et ça fait une des caractéristiques des diarrhées toxiques. Donc il n'y a aucune lésion anatomique. Les lésions et comment expliquer le caractère invasif de ce germe, c'est surtout lié à la sécrétion d'une toxine, qui est la toxine cholérique, constituée bien sûr, sans entrer dans les détails parce qu'il se trouve dans le polycorps, de deux sous-unités A et B, l'un favorise la pénétration de l'autre, et il y aura une activation de l'adényl cyclase. Cette enzyme sera responsable d'une formation, pas en taux normal, mais en excès, de ce qu'on appelle l'AMP cyclique, l'adénosine monophosphate cyclique. Ce dernier va entraîner une modification, cet excès de sécrétion d'AMP cyclique va entraîner une modification des échanges d'eau et d'électrolytes. Et donc, il y aura, avec le temps, quand les capacités de colon seront dépassées, une fuite importante d'électrolytes et d'eau, et qui sera responsable avec le temps, si bien sûr aucune mesure n'est prise, d'une déshydratation aiguë, surtout dans les formes graves et les formes typiques du choléra qui peut aboutir au collapsus cardiovasculaire et parfois même le décès. Si vous avez compris la physiopathe, la clinique ne posera aucun problème. Et donc, pour la clinique, on prendra comme type de description la toxi-infection alimentaire suraiguë, c'est-à-dire la forme typique. Et je le rappelle, la forme typique, c'est pas, heureusement, c'est pas la forme la plus fréquente de la pathologie. On verra dans les formes cliniques les formes les plus fréquentes. Après, donc, une incubation bref, je dis bien bref, c'est quelques heures. Contrairement à ce qu'on a dit dans les hépatites virales, c'est une histoire de jours. Hépatite A et E, qui étaient les moins, qui avaient les incubations les plus courtes, c'était une histoire au minimum 15 jours, jusqu'à un mois et demi. Regardez par comparaison avec le choléra. C'est une évolution bref, c'est-à-dire où il y a urgence. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est une urgence médicale. Le début, il est brutal. En quelques heures, s'installe une violente diarrhée, parfois douleur abdominale, avec des selles fécaloïdes au départ, c'est-à-dire qu'ils ont l'aspect normal de selles au départ, avec la coloration qu'on connaît, et qui évolue rapidement vers des selles aqueuses. Et en une heure de temps, 1 litre de selles, vous imaginez, peut être émis déjà à la phase de début. Et les vomissements sont de même aspect. Installation des crampes musculaires, vous le devinez, liées surtout à la perte électrolytique et apparition de signes de déshydratation. La phase d'étape. Également, atteinte en quelques heures, 6 à 24 heures. Imaginez quelqu'un qui s'est contaminé le matin, il risque déjà d'être à la phase d'étape en fin de journée. C'est pour marquer le point surtout sur l'urgence de cette pathologie. Si vous n'êtes pas très ponctuel et rapidement actif, vous risquez de laisser échapper un début d'épidémie de grande ampleur, comme ça a été le cas en 86 à Annemasse.
Cette phase d'état est marquée essentiellement par un signe important qui est la diarrhée, dont les caractéristiques sont les suivantes. Des éjections incessantes en jet, comme si vous ouvrez un robinet, et c'est le flou total, et à un moment donné, vous ne pouvez plus fermer ce robinet. Puis, quasi-continu, c'est-à-dire le robinet se casse. Aqueuse de couleur Audrey, je ne sais pas si les demoiselles surtout qui participent dans la cuisine avec leur mère connaissent le riz. Et quand on fait bouillir de le riz, on voit l'aspect, l'eau de riz blanchâtre. Et bien sûr, qui va contenir en suspension des fonctions blanchâtres. L'odeur, elle est fade. Fade, c'est-à-dire fade, pas nauséeuse, pas nauséabonde. Fade, c'est comme l'odeur du renfermé. Vous fermez quelque chose pendant un certain moment, un certain temps, puis l'ouvrez, on dit que c'est l'odeur du renfermé. Et elle est, cette diarrhée, elle est extrêmement abondante. Elle imite son colique ni effort et elle n'est jamais sanglante, contrairement à la dysenterie qu'on observe dans les formes dans les formes invasives telles que l'amylase. La fréquence de ces selles à la phase d'étape est de 50 à 100 selles par jour, vous imaginez, donc l'importance des pertes. C'est pour ça que la déshydratation s'installe très rapidement. À côté de la diarrhée, il y a des vomissements qui sont moins fréquents, bilieux puis aqueux. Et en quelques heures, donc, s'installe une asthénie, une soif majeure, avec des crampes musculaires qui étaient déjà présentes dans la phase du début, et aussi une adynamie profonde. C'est quelqu'un qui est là, allongé, pouvant absolument rien faire parce qu'il n'y a aucune énergie, et avec un état grabataire. Et l'examen clinique va trouver une grave déshydratation clinique intra- et extracellulaire. Vous voyez sur cette diapo, là, c'est le pli. C'est quelqu'un qui en a fait un pli. On a eu tout le temps, l'auteur de cette photo a eu tout le temps de se placer, de mettre son objectif du caméra et de filmer ce pli qui n'a pas disparu après un certain temps. Alors que si vous vous amusez à faire des plis dans votre peau, faites l'expérience, vous faites un pli, il disparaît rapidement en quelques secondes. Contrairement à un sujet déshydraté, surtout en cas de choléra. À côté de les signes de déshydratation, il faut rechercher des signes de choc. Les tégluments sont froids et cyanosés. Le poids radial est imperceptible, de même que les autres pouls, avec un rythme cardiaque accéléré, dépassant parfois les 120-140 battements par minute. La pression artérielle est effondrée, c'est le collapsus, si ce n'est pas le choc déjà installé, oligurie puis anurie. Hypothermie à 36 degrés Celsius pratiquement, c'est-à-dire, retenez que le choléra, c'est une infection abésienne, mais qui ne donne pas de fièvre, qui donne plutôt une tendance vers l'hypothermie. Et devant ce tableau, trois choses importantes s'imposent. Hospitaliser le malade en urgence dans un service infectieux, mise en marche de la réhydratation, parce qu'avec le choc, attention, les veines peuvent être collabées et vous ne pourrez jamais prendre les veines. Comme ça a été le cas dans les épidémies qu'on a vues dans le choléra, où j'étais obligé à faire des ponctions des jugulaires. Et enfin, prélèvement des serres pour analyse et pour mettre le diagnostic. Mais ça, surtout devant les premiers cas d'épidémie. Les formes cliniques. Les formes cliniques, on a les formes selon le degré de la déshydratation, la diarrhée aiguë banale, c'est une toxi-infection banale. Ça peut être aussi une déshydratation clinique, perte de poids, 5 à 10% du poids du corps. C'est-à-dire, c'est une forme qu'on verra tout à l'heure dans le traitement, il faut faire le bilan de la déshydratation. Il y a la diarrhée infraclinique, c'est-à-dire, il n'y a aucun symptôme pratiquement, en dehors de la diarrhée qui n'est pas importante. Et enfin, il y a carrément les porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ne font aucun symptôme, mais attention, ils sont des contaminateurs. Les autres formes, on a les formes selon le terrain. Chez l'enfant, gravité particulière, surtout moins de 5 ans, on a fréquence élevée de convulsions et surtout tendance à l'hypoglycémie par le problème généralement de sécrétion inappropriée d'insuline. La femme enceinte aussi, si elle est touchée, en particulier dans le premier trimestre, risque d'avortement. Les sujets âgés, le problème qui se pose, c'est le problème de la réhydratation, c'est-à-dire on doit faire attention, ne pas réhydrater rapidement parce qu'on risque de tomber dans l'autre versant, qui est le versant de la surcharge avec l'œdème aigu du poumon, l'OAP. Et donc, parce que le sujet âgé, il y a défaillance multiviscérale physiologique, en particulier des reins et du cœur. Donc, il faut faire attention dans la réhydratation. Et aussi le sujet gastrectomisé, là vous devinez, parce que tout simplement la barrière de l'acidité qui disparaît, et donc il y aura un minimum d'inoculant pour faire l'infection, il y aura des formes graves et parfois même mortelles. Le diagnostic de ce choléra repose surtout sur l'isolement du WC, le vibrion cholérique en abréviation WC, et aussi l'écoporeculture en absence de diarrhée par équivalent rectal.
surtout chez les porteurs sains. Faire aussi un ionogramme sanguin, pas à titre diagnostique, mais à titre évaluatif, surtout pour le degré de la gravité. VC, VC, c'est une abréviation tolérée du vibrion cholérique. Et donc, il y a aussi la formule qui va retrouver une hyperleucocytose modérée, mais surtout des signes d'hémoconcentration, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à l'hématocrite qui sera élevé, qui sera à des chiffres élevés. Le diagnostic différentiel, quoi qu'il est minime, mais il faut faire attention dans certaines formes de toxines infections à staph et aussi en cas d'ingestion de champignons qui peuvent simuler des tableaux de choléra. On arrive finalement au chapitre traitement. D'abord, contrairement à ce que vous avez vu dans les cours de l'infectieux, on va d'abord éclaircir certains points, c'est ce qu'on appelle les généralités de ce traitement. Contrairement aux autres traitements, vous avez vu que le traitement curatif, c'est le plus important. Là, c'est le traitement symptomatique qui prend une importance capitale. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec la déshydratation, réhydrater, c'est le premier objectif, contrairement aux antibiotiques. Et donc, les antibiotiques prendront une part accessoire. Traitement de cas facile, traiter 5-10 cas, c'est bien, c'est facile. Vous pouvez gérer ça facilement. Mais traiter une épidémie avec une centaine, si ce n'est pas une millier de cas, ça demande une organisation logistique et logistique rigoureuse, comme ça a été préconisé par l'OMS. Ça, c'était une architecture du centre de traitement de choléra préconisé par l'OMS. Là, vous voyez, on commence par le bas à droite, admission et tri des patients, c'est-à-dire trier les patients, les patients modérés, les patients avec forme grave. Là, c'est une unité observation, les formes mineures et formes modérées. Et les formes majeures, unité d'hospitalisation et d'isolement à ce niveau. À ce niveau. Là, c'est des zones de latrine. Latrine, c'est quoi? Tout simplement, imaginez quelqu'un qui fait 50 à 100 selles, comme on a dit dans la clinique, par jour. Alors, vous imaginez les dégâts si c'est 100 personnes dans cette unité. Et donc, on ramasse tous les vomissements et les selles à ce niveau-là. On les enterre à une distance, à une profondeur assez importante pour éviter la contamination, ce qu'on appelle les latrines. Les latrines. Ça, c'est des unités de convalescence. Une fois la réhydratation est effectuée avec efficace. Donc, les malades passent en unité de convalescence. Là, à côté, je disais, il y avait des moyens de logistique importants parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de sérum, que ce soit sérum salé, glucosé, plasma gel, etc. Donc, la quantité doit être importante. Vous allez voir ça dans la prise en charge. Donc, la quantité est importante. Donc, il faut toute une réserve pour ça. Sans parler de la réserve en eau potable. Et tout ça doit être clôturé pour éviter, bien sûr, la contamination ailleurs. Regardez, ça, c'est la vraie vie. Dans le choléra, dans l'Afrique noire, vous voyez beaucoup de malades. D'accord? Le but de ce traitement curatif, restauration surtout, en premier lieu, et entretien de l'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire faire face à la perte hydrique et électrolytique. Stériliser le malade des germes, ça c'est le rôle des antibiotiques. Couper la chaîne des contaminations, c'est-à-dire traiter tous les malades et surtout stériliser les porteurs sains des germes qui peuvent échapper au dépistage. Les moyens, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est les solutions de réhydratation parentérale. Ça peut être une solution de réserve lactate que personnellement je n'ai jamais vue, mais elle est très coûteuse, riche en électrolytes et ça consomme beaucoup d'argent. C'est en physiologie que le plasma gel, ça c'est tout le monde connaît, avec de grosses molécules. Que surtout les services de soins intensifs utilisés tels que Dextra. Il y a aussi le sérum bicarbonaté, dosé à 14 pour 1000, et le sérum glucosé à 5% ou les sérums salés isotoniques à 0,9%, que tout le monde connaît. Ça, c'est la solution de réhydratation parentérale. Il y a les solutions de réhydratation par voie orale, c'est les sels de réhydratation et les électrolytes destinés surtout aux formes modérées et légères, sans vomissement, et donc inciter la personne à boire beaucoup d'eau, et surtout l'eau avec les sels de réhydratation et les électrolytes. Toujours dans les moyens, on a les antibiotiques. Les antibiotiques les plus efficaces, c'est les cyclines, que vous avez vu avec le professeur Aïdewi, telles que la doxycycline qu'on donne à une gélule 2 fois par jour, gélule de 100 mg. Il y a aussi les autres antibiotiques qui peuvent être efficaces, moins utilisés que les cyclines, tels que les sulfamides ou les macrolides, les sulfamides associés, tels que vous connaissez sous le terme de Bactrim. Rarement, on a les sulfamides de première ou de troisième génération, tels que l'acide qu'on appelait autrefois Négarab, ou les fluoroquinolones, mais qui coûtent cher, ça peut ruiner le budget de tout un hôpital si ce n'est pas un pays. Et enfin, il y a aussi les désinfectants, parce que vous vous rappelez que les moyens de transmission avec l'eau, les aliments,
Mais attention, je disais aussi, les murs, les sols peuvent aussi contenir du germe et donc peuvent être contaminants. Donc, il faut les désinfecter. On utilisera pour ça les désinfectants tels que le chlore, la chaux ou les grésils. Je répète pour ce qui est des questions, attention, il y a des vomissements, surtout à la phase bêta et à la phase même à la phase du début. Et aussi, il n'y a pas de fièvre, chose très importante. Et il y a surtout la tendance à l'hypothermie pour répondre à certaines questions. Les indications, d'abord, il faut faire le bilan de la déshydratation, c'est-à-dire classer le malade en forme mineure, modérée et sévère. Ceci pas à partir de quoi? À partir de la pesée du patient et la pesée surtout des pertes, que ce soit les vomissements, les diarrhées. S'ils sont inférieurs à 5% du poids du corps, on parlera de forme mineure infraclinique. Si c'est entre 5 et 10%, on parlera de forme modérée, avec des pertes liquidiennes plus ou moins importantes. Et enfin, la déshydratation grave, qui est la forme typique qu'on a vue dans le tableau clinique, avec des pertes liquidiennes qui dépassent les 10% du poids du corps. Ça, c'est le bilan. Et d'ailleurs, même l'OMS, regardez sur ces fiches, ça, c'était des fiches de l'OMS qui classe les malades en trois. Neuf déshydratation, c'est-à-dire inférieur à 5%, c'est des formes mineures. Some déshydratation, c'est-à-dire les formes modérées entre 5 et 10%, et sévère déshydratation, c'est pas dépassant les 10% du poids du corps. Comment réhydrater les malades? C'est un objectif à atteindre en 2 à 3 heures chez l'adulte, mais attention, il faut être plus prudent chez l'enfant et surtout, je ne l'ai pas écrit dans la diapo, les sujets âgés également, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. On a d'abord les formes prises, c'est-à-dire les formes mineures. Là, pas de déshydratation, donc traitement qui est antibiotique seul suffit. Il y a aussi les antibiotiques tels que les cyclines, exemple la Vibalent qu'on donnera pendant 5 jours. Et bien sûr, on vérifiera la stérilisation par des coproductures à la fin du traitement. Déshydratation modérée, toujours mineure, excusez-moi. S'il n'y a pas de vomissement, donc réhydratation par voie orale, c'est le thé de l'hydratation, un sachet de lui dans 1 litre d'eau stérile. S'il y a des vomissements, là, il faut réhydrater par voie intraveineuse. Dans la forme modérée, justement, donc l'abord veineux solide est obligatoire. Et on va passer une quantité, excusez très bien, ça c'est important, une quantité pendant 6 heures. Pendant 6 heures, d'abord, les 15 premières minutes, on passe 1 litre de sérum salé isotonique. Comme ça, je verrai très bien. Donc, 15 minutes, on fait passer 1 litre de sérum salé isotonique, 1 litre, c'est-à-dire 2 flacons. Et en 4 heures, en 4 à 5 heures, l'équivalent des pertes selon la proportion de salé pour un glycosé. C'est-à-dire, vous donnez 1 litre de salé et 500 cc de glycosé. Ça dépend des pertes. Si vous avez 2 litres, vous allez passer 2 sérums salés, 1 litre. Puis, 500 cc, ça fait 1 litre et demi. Et puis, on repasse vers le sérum salé, 500 cc. Comme ça, on aura fait les proportions exactes par rapport aux pertes. Ça, c'est les premières 6 heures. Au bout de 6 heures, on fait le bilan de la réhydratation. Si aggravation conduit à tenir de la forme grave qu'on verra tout à l'heure, si persistance, on va recommencer le même schéma. C'est-à-dire en 15 minutes, 1 litre, et en 4 à 5 heures, on l'équivalent des pertes, selon la proportion de salé pour un glycosé. Si plus signe de déshydratation, là, il faut maintenir l'hydratation en compensant les pertes. Les pertes, c'est quoi? C'est les selles, quantifier les selles, les urines, les vomissements, et les pertes qu'on appelle les pertes insensibles. Je disais tout à l'heure, le sueur, attention, il contient les germes. Et donc, généralement, on fait 600 ou 800 cc, je dirais même 1 litre. Disons, à chaque fois, on ajoute 1 litre de plus. Comme ça, c'est les pertes exactes du malade. Et enfin, le traitement antibiotique est entrepris dès le début. Donc, pour les formes modérées, il y a l'histoire de 15 minutes, puis 4 à 5 heures. Et au bout de 6 heures, on fait les bilans. Et en fonction de la réponse, on agira. Maintenant, les formes graves. Là, il faut installer le malade sur un lit de colérique. Je pense à juste après mon travail. Ça, c'est le lit du colérique. Vous voyez, il y a un trou en centre, là où l'évacuation des selles et la quantification dans un seau. Normalement, il y a un deuxième seau pour les vomissements ici. Ça permet la quantification. La voie intraveineuse uniquement, pas de voie orale, parce qu'il y a urgence. Là, tout à l'heure, le modélé, on a dit 15 minutes, puis on a dit 4 à 5 heures. Là, on a deux phases, les 30 premières minutes. 1 litre, les 10 premières minutes de quoi? De riser lactate ou alors le plasma gel. 1 litre à faire passer en 10 minutes. Puis un deuxième litre, les 20 dernières minutes. Oui, on a compris, les 10 minutes.
Donc, un litre les 20 dernières minutes, bicarbonaté ou physiologique. Et au bout de 30 minutes, on fait le bilan. Si disparition des signes de choc, faire passer la quantité d'environ 10% du poids du corps, c'est-à-dire généralement, c'est entre 6 à 7 litres, en alternant un litre salé, salé, c'est-à-dire deux salés, avec 500 cc de bicarbonate. Rappelez-vous, dans la forme modélée, c'était un litre salé, c'est-à-dire deux salés, avec glucosé. Maintenant, c'est le bicarbonate. D'accord? On a vu. Au bout de 3 heures, c'est-à-dire on a terminé 3 heures, c'est-à-dire il y avait 2 étapes. Il y avait 30 minutes, puis entre 30 minutes et 3 heures, selon la formule, deux salés avec un bicarbonate. Au bout de 3 heures, on refait le bilan. Si collapsus, reprendre le même schéma avec macromolécules. Si amélioration clinique, avec reprise de la diurèse, il faut ajouter du potassium, 2 grammes de potassium par litre de perfusion. Parce que les pertes électrolytiques, c'est le potassium qui fait peur. Parce qu'il peut entraîner des répercussions cardiaques. Si amélioration clinique sans reprise de la diurèse, là, on doit fouetter le rein, par quoi? Par des diurétiques pour que la diurèse reparte. Et entre 3 heures et 24 heures, c'est-à-dire on a fait, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va quantifier les pertes et on fait, selon le schéma, deux salés avec un glucosé, un bicarbonate. Ne mélangez pas. Il y avait 3 étapes. La première demi-heure, il y avait le bicarbonate, le plasma gel, les 10 premières minutes. Puis les 20 dernières minutes, c'était comme ça, il est là, c'est du bicarbonate au physiologique. Puis on fait un bilan au bout de 3 minutes, 30 minutes, excusez-moi, et on fait passer deux salés, un bicarbonaté, jusqu'à 3 heures. Entre 3 heures, à partir de 3 heures, excusez-moi, je suis venu en arrière, à partir de 3 heures jusqu'à 24 heures, parce que la réhydratation du colérique, c'est 24 heures, pas plus. Si, soit le malade guérit, soit c'est le décès. D'accord? Entre 3 et 24 heures, si tout va bien, on va passer à la formule deux salés, un glucosé, un bicarbonate. D'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à équilibrer l'individu. D'accord? On termine avec la prévention. Il y a des mesures collectives et des mesures individuelles. Les mesures collectives, comme toute maladie de transmission hydrique, pas uniquement le choléra, il y a la déclaration obligatoire de la maladie, il y a l'enquête épidémiologique pour rechercher et traiter les porteurs sains, assurer un bon assainissement, ça dépend au milieu urbain, c'est les systèmes tout à l'égout. Dans le milieu rural, rappelez-vous des histoires de latrines, c'est pratiquement on les construit nous-mêmes, on fait comme un puits, puis on met les sels et les vomissements. Approvisionnement en eau salubre pour les boissons, par quoi? Par javelisation de l'eau, chaudage des puits et les bâches à eau, la dernière cuillère. Il y a aussi la vaccination, mais les études surtout au début de l'épidémie, ce qui est difficilement réalisable. D'accord? RL, c'est le régime lactate. D'accord? Enfin, on termine par les mesures individuelles. C'est les mesures de protection. De mesures rigoureuses d'hygiène individuelle et de sécurité alimentaire, c'est-à-dire le lavage des mains essentiellement. Et il y a aussi la javelisation de l'eau par addition de 2 gouttes de javel par litre d'eau. D'accord? Apparemment, je ne vois pas beaucoup de questions. Essayez surtout de se concentrer sur le traitement, l'histoire de traitement des formes modérées et des formes sévères pour faire la différence. Rappelez-vous des périodes surtout, et surtout un principe, le choléra, c'est une réhydratation de 24 heures, même s'il s'agit d'une forme grave, bien sûr en respectant les 3 étapes, c'est-à-dire la première demi-heure, puis entre demi-heure et 3 heures, et enfin entre 3 heures et 24 heures, en respectant les schémas que j'ai préconisés. Est-ce qu'il y a des questions? Le loperamide peut être utilisé comme un anti-émétique, mais je ne préconise pas d'utiliser ça. Il faut savoir jouer surtout sur la physiopathologie, c'est-à-dire essayer de diminuer l'effet de la toxine, qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire se concentrer sur la réhydratation du malade surtout. Ça, c'est le point le plus culminant. C'est-à-dire ne vous amusez pas à inhiber les vomissements sans réhydrater le malade. Que ce soit une forme mineure et modérée par la réhydratation orale et aussi par une réhydratation parentérale efficace, efficace par voie parentérale.
J'ai dit la réhydratation de 24 heures. Ce n'est pas le choléra qui est de 24 heures. D'accord? Le choléra, la durée de l'infection cholérique, si vous vous rappelez, j'ai dit qu'elle est de 7 jours, plus ou moins 2 jours. D'accord? Mais la réhydratation, elle est efficace. Il faut être efficace pendant 24 heures. C'est-à-dire, si vous respectez les trois étapes, c'est une réhydratation de 24 heures. Et le malade, au bout du deuxième, troisième jour, il est déjà en convalescence. D'accord? Rappelez-vous du schéma de l'OMS, où il y avait des zones réservées à la convalescence. Généralement, c'est du deuxième, troisième jour. D'accord? Mais quand vous faites une réhydratation efficace, 24 heures suffisent largement à surtout la phase d'entretien qui est entre 3 heures et 24 heures. D'accord? C'est le plus important, c'est surtout trouver comment faire prendre un abord veineux solide et réhydrater le malade le plus tôt possible. Si c'est des formes minérales et modérées, c'est une réhydratation orale, assez de l'eau ajoutée à des électrolytes. D'accord? Il n'y a pas de question, donc je vais essayer de voir avec la plateforme pour vous donner les diapos en PDF. D'accord? Sinon, merci, bon courage.